Et y'a les mecs, c'est le petit Bondu. Alors, comment ça va les boys? On se retrouve. Regardez-moi ce temps les mecs, ce beau temps breton. Hein? C'est mieux que la dernière vidéo. Hein. Ah, sans déconner. En ce moment, bah, l'hiver, hein, c'est un peu comme partout. Hein. C'est tout ou rien. Mais en Bretagne, c'est beaucoup tout ou rien. C'est soit il fait très pelou comme le jour quand on est sorti faire la petite balade blabla le dimanche soir. Soit regardez comme aujourd'hui, il fait un super temps. Et quand j'ai vu ça hier sur mon téléphone, je me suis dit je vais aller faire la présentation de la moto, parce que de ce temps là ça va être vraiment top. Il y en a pour un petit peu de route quand même. Aïe, un caillou. Mais voilà, il y a un petit peu de route, donc coucou. La caméra, j'ai peur qu'elle soit toujours pas assez droite. On va la redresser un petit peu. Voilà, on va se retrouver pour la petite présentation de la moto dans un petit coin bien sympa. Donc je vous dis à tout à l'heure. On continue doucement, tous ensemble, tout doucement en musique. Allez, je vous laisse en musique les mecs, c'est parti. Regardez-moi ça. Aïe, l'état de la route. Oh putain, la campagne. La campagne et ses plaisirs. On continue la route. Je remets la musique tout de suite, ça t'est fait. Les mecs, un truc que j'ai oublié de vous dire, c'est que l'autre jour, quand on s'est retrouvé pour la première fois là, pour faire la vidéo blabla, j'avais pas peur pour ma GoPro. Là vous devez la voir dans l'ombre devant moi. J'avais pas peur pour la GoPro parce que voilà, j'étais en ville, j'ai fait des petites pointes, mais je veux dire j'étais en ville. Il n'y a pas trop de passage, en plus c'était dimanche soir, donc voilà. Là on est quel jour? On est mardi. Je suis sur une route, je suis entre 90 et 100. Il y a une bagnole derrière moi. Autant vous dire que la GoPro, bon, c'est la fixation 3M, je veux dire, c'est la fixation GoPro d'origine, que j'avais jamais utilisée, celle-là depuis que je l'ai. J'avais jamais utilisé cette fixation. Donc, elle est d'origine et elle n'a jamais été stockée. Elle a toujours été stockée à température ambiante, si vous voulez, toujours dans une chambre ou un truc comme ça. Donc normalement, il n'y a pas de souci, le collant ne se dégrade pas. Mais je suis quand même pas serein. Hein, on va pas se mentir, je suis pas hyper serein. Parce que si jamais elle se barre, lâche ton téléphone, putain, tu conduis en 40 tonnes, mec. Si elle se barre... Alors, j'ai pas peur pour la caméra, parce que je pense que le caisson va encaisser. Mais par contre, le caisson va vraiment encaisser. Il va prendre cher dans sa gueule. Si on a de la chance et qu'il n'y a pas... Faudrait que je mette ça derrière la caméra, ou faudrait que j'achète un étui fluo. Genre jaune fluo. Vous, ça changerait rien parce que vous ne le verriez pas. Mais moi je me dis que si je la perds, jaune fluo ou orange fluo, enfin une de ces deux couleurs, vous, ça changera pas grand chose pour vous. Mais moi je me dis que si je la perds malencontreusement, ça sera tout bénef. Parce que je pourrais la retrouver plus facilement dans l'herbe ou quoi. Parce que oui, c'est ma deuxième GoPro en fait. Il faut que je raconte la petite histoire, j'espère que ça va s'entendre. Normalement le micro je l'ai mis un peu mieux. La dernière fois, normalement elle est juste devant ma bouche, c'est pour ça que j'ai pas tellement besoin de crier. C'est ma deuxième GoPro parce qu'en fait en été j'étais parti au ski avec des potes, au ski n'importe quoi, à la mer avec des potes. On s'était pris une petite semaine à 5, une petite semaine à 5 avec mes potes d'IUT quand j'étais à Poitiers. La pharmacie de la famille, comme on aime s'appeler. Je vous fais un gros bisou les mecs, si vous passez par là je vous fais un gros bisou. Et le fait est que donc j'enregistrais des sessions avec ma planche. Caméra orientée vers l'avant, vers moi, donc vers, on va dire, le rider entre guillemets,
Donc j'enregistrais tout ça, et puis un jour, il faisait pas beau, hein, mais il y avait des putains de vagues et tout, et avec un de mes potes, on se dit, ouais, tant pis, bah les couilles, on prend les planches, on va à l'eau, quoi. Je fais du bodyboard, on fait du bodyboard. Bah les couilles, on va à l'eau quand même, on va quand même s'éclater, il va faire genre, ça va être mortel, quoi. Hop, on quitte le camping, on marche jusqu'à la plage avec nos planches, notre t-shirt thermocool, machin, short de bain, tout bordel. Moi je mets la GoPro, j'avais fixé la GoPro à l'avant de la planche, avec un gros collant, c'est des gros disques, un gros collant de chez GoPro pour planche de surf. Donc là, moi je m'étais dit, pour planche de surf, c'est sur un body, ça va pas se décoller. Bah tu parles, je rentre dans l'eau, première vague qui m'arrive de face, le truc il s'arrache. Et la petite anecdote fun fact qui fait que je suis vraiment trop con, c'est que quand j'étais allé, avant de rentrer dans l'eau, mon pote me dit, mec, essaye de, t'es sûr que t'as pas mis le flotteur, parce qu'il y a le flotteur, vous savez, la porte étanche avec un gros flotteur en mousse orange fluo pour ceux qui connaissent, t'as pas mis le flapporte avec toi, le flotteur, t'as pas peur machin. Je dis, oh t'inquiète, de toute façon c'est une fixation faite pour, ça va tenir. Ah bah oui, bah première vague de face, elle a tout arraché, il y avait des creux de 2-3 mètres, je suis allé voir les CRS, ils m'ont dit, bah désolé, bon monsieur, mais vous n'êtes pas le premier, vous n'êtes certainement pas le dernier des GoPro, il y en a tous les jours qui sont perdus, et malheureusement on ne les retrouve jamais. Donc, j'ai perdu une GoPro, ma toute première GoPro, mais en fait c'est la même que celle-là, hein. Celle-là je l'ai rachetée le lendemain, sur le bon coin, dans la ville où j'étais, à Soulac-sur-Mer, les mecs, où j'ai en Giron, Soulac c'est dans le 33 je crois. J'ai trouvé sur le bon coin la même, celle-là, à 150 €. Et j'ai un pote, c'est un autre pote, celui-là je te fais un gros big up mec parce que t'es vraiment un tueur. J'ai un pote, il se démerde mais comme un ouf au poker. Et coup de chance, ce jour-là, il avait gagné une belle partie, il avait réussi à se faire un peu de sous. Et donc c'est très aimablement qu'il m'a avancé l'argent avant la fin des vacances pour que je puisse me racheter une GoPro et finir de filmer ses vacances. Avec d'où j'ai fait une vidéo d'ailleurs, une vidéo vacances sur une autre chaîne. Je la mettrai en description je pense. Enfin, je sais plus si elle est en privé. Si elle est en privé, c'est que les rapports en description parce que c'est que mes potes ne voulaient pas la voir en public. Donc voilà. Et donc j'avais perdu cette GoPro. Alors je vous rassure que j'étais pas bien. Quand je me suis rendu compte, je suis sorti de l'eau, j'ai détaché le leash de ma planche, je l'ai jeté et je me suis foutu, je suis tombé à plat ventre. Dans le sable, je suis dans la plat ventre dans le sable, le visage dans le sable, et j'avais envie de pleurer, hein. J'avais vraiment envie de pleurer parce qu'en plus quand je me l'étais acheté à l'époque je bossais pas encore, j'étais lycéen, la première GoPro j'étais lycéen je crois. Donc voilà, j'avais acheté neuf, les mecs je l'avais acheté neuf, ce qui veut dire que je l'avais payé plus de 300 balles en plus. Donc voilà, j'avais les boules, j'avais envie de chialer, ça avait représenté un investissement assez important pour moi parce qu'étant donné que j'étais étudiant, j'étais lycéen, j'avais bossé pendant des vacances et c'était de l'argent que j'avais mis de côté. Enfin voilà, ça donne aussi encore une fois la valeur de l'argent, ce genre de choses, parce que ça vous montre que on n'a rien sans rien. Et que t'as bossé, tu t'as acheté un truc, et bah tu le perds, et bah tu te rends compte que ça te fait chier quoi. Parce que franchement, perdre ça dans la mer, j'ai fait. Surtout non plus sur cette caméra, il y avait le début des vacances. Parce que du coup la vidéo que je mettrai peut-être en description, il y avait l'autre partie à partir du moment où j'ai racheté une caméra, donc au bout de 2-3 jours j'ai racheté une caméra, enfin j'ai perdu et j'ai dû la perdre le. On est arrivé le samedi, j'ai dû la perdre le lundi ou mardi et le mercredi j'avais une nouvelle caméra. Et j'avais déjà filmé le début des vacances quoi, le trajet en voiture, tout ça. Et voilà quoi, Le seul souvenir que j'ai de cette vidéo, de cette GoPro, c'est une vidéo sur une autre chaîne qui a fait 10 000 vues ou je sais plus combien de milliers de vues, où je présente ma ville d'origine Angers les gars. Et une photo, un selfie sur le bateau en vacances, justement, un selfie en vacances avec un stick et une perche avec la GoPro, voilà. C'est les deux seuls trucs qui me restent. Donc faites gaffe à vos affaires. Et si GoPro vous vend, un flotteur vous vend tel type de fixation, moi je parle pour GoPro parce que c'est ceux que je connais, si GoPro vous vend tel ou tel matériel, et ben c'est que c'est adapté à telle ou telle situation, et je ne vois pas au con adapté parce que la fixation que j'avais mis sur mon bodyboard, comme je vous ai dit, c'était une fixation planche de surf. Et l'autre jour, il y a 2-3 jours, 4 jours, une semaine on va dire, je suis tombé sur le site GoPro, je regardais un peu le prix des accessoires, machin, et je suis tombé sur les ventouses, je suis tombé sur les collants de planche de surf. Et il y avait bien marqué ce que j'avais pas lu sur le collant de planche de surf à l'époque. J'avais sorti de la boîte, je l'avais collé
sur le bodyboard et puis c'était marre. Ce que j'avais pas vu, qui était marqué en tout cas sur le site, c'est que cette fixation doit être impérativement fixée à un support lisse tel qu'une planche de surf et pas un support poreux comme une planche en mousse, à savoir un bodyboard. Et en fait, au début je me suis dit, quand j'ai perdu la GoPro, putain, les mecs, je leur fais un procès quoi. Ah, oh, je me rends compte, j'ai oublié d'attacher mon bousou. Comment j'ai froid derrière. Je me suis dit, je les attaque, je sais pas, je fais un procès, je fais quelque chose. Parce que j'étais vénère, j'étais triste. Vraiment, j'étais triste de perdre cette caméra parce que j'avais déjà eu beaucoup de bons souvenirs avec. Et je me disais, bah les mecs, c'est mort quoi, ils me la remboursent, ils vont se faire enculer. Mais en fait, non, là, ils avaient prévu le truc. En même temps, c'est leur métier. Hein. Les mecs, ils ont des juristes, mon pauvre. Les mecs, c'est de prévoir le moindre pet de travers pour se couvrir. Donc, ils avaient prévu le truc et ils avaient marqué ça. Donc, du coup, j'étais niqué. Ben, mine de rien, et on roule là. Ce que je vous dis, c'est vraiment pas à côté. Donc, écoutez, là, j'ai bien blablaté. Ça va déjà prendre une bonne partie de la vidéo. Et on va se retrouver. Là, je vais plus parler. Sauf si vraiment il y a des. Pourquoi ça grésille dans mon oreille? Ouais, c'est bizarre. Sauf si vraiment il y a des fun facts sur la route. J'ai toujours ma caméra. S'il y a vraiment des fun facts sur la route, autrement, on se retrouve au point de présentation. Allez, plus. Les mecs, on se retrouve toujours sur la route, hein. Je suis toujours en chemin pour la présentation. Je sais pas si vous allez voir, mais on va là-bas, là où il y a la petite chapelle, là. On va là-bas. Donc ça va serpenter tout ça, les montagnes, donc ça va être cool. Et regardez-moi cette vue, les mecs. Oh ouais. Comment c'est beau. À chaque fois, je passe ici et je me dis, putain, c'est beau. Regardez-moi ça, cette vue. Je pense qu'il y en a qui... Ceux qui sont du coin, là, sur Motovlog, j'en ai vu quelques-uns. Sont plus ou moins du coin et qui connaissent un peu, parce que quand j'ai dit que j'étais du 29, il y en a déjà qui m'ont dit ouais machin, les montagnes, tout ça. Donc voilà, regardez moi ce paysage ici, c'est lumière, mais qu'est ce que c'est beau. Je surkiffe passer ici en moto, surtout quand il fait beau comme ça. C'est la première fois que je passe en moto, j'étais déjà passé plusieurs fois en voiture, mais putain qu'est ce que c'est beau. Allez, même le camping car, je pense qu'il en il est un peu plus du paysage. On se retrouve quand je serai de face par là-bas. Comme ça on verra mieux. A tout de suite. Voilà les mecs, regardez-moi ça, mais comment c'est beau. Comment c'est beau les mecs. Hop là, en plus ici c'est du bonheur. Ça virole pas mal, on va s'amuser. Et regardez-moi ça, comment c'est beau ce paysage les gars. La Bretagne. Je suis venu ici pour le travail, je sais plus si je l'ai dit. Je suis venu ici pour le travail. Et bien qu'il pleuve des fois, il fasse froid, là j'ai un peu froid au moins au cours d'été, mais ça va encore. Mais bien qu'il fasse froid, qu'il pleuve, quand vous avez un temps comme ça, les mecs, mais c'est un vrai bonheur. Regardez-moi ce paysage. Vraiment, c'est un de mes coins préférés, là, par là où j'habite. C'est vraiment un de mes coins préférés. Je kiffe ici, parce que c'est désertique. On se croirait pas du tout en Bretagne. On se dit en Bretagne, il pleut, c'est vert. Et ben non. Regardez-moi ce temps, les mecs. Ah, une équipe de tournage, c'est bon, ça. Ça va tourner, vous avez vu? Je sais pas si vous avez vu sur voiture, on essaiera de les croiser sur les crosses, on leur fera un coucou. Une équipe de tournage, très bien. Allez, on est reparti. Regardez les mecs, on se croira en montagne, on est en Bretagne. On sent pas de la montagne, hein. On culmine à 300 et quelques mètres, je crois. Donc voilà, c'est les restes du massif armoricain. Là, les gars, par contre, si vous connaissez pas le massif armoricain, il va falloir revoir vos cours d'histoire géo de CE2, CM1, hein, c'est le primaire massif armoricain. On est en montagne quand même, hein. C'est cool. Un peu de route de montagne, et ce lac magnifique. Bon, j'ai un peu froid, hein. Je sais pas si c'est parce que je roule depuis un moment ou parce que je monte en altitude, mais ça caille un peu. Par contre, c'est un vrai bonheur à rouler ici. Hein. Putain, la route, quand la route est sèche comme ça, waouh, regardez-moi ça. Bon, full de ouf. J'ai eu de rouler trop vite parce que mine de rien avec la petite GoPro, n'est-ce pas? Oh ouais, oh ouais, oh ouais. Au fond, ça fait une prise au vent, hein. C'est pas du tout aérodynamique. Donc bonjour. Donc là, on va serpenter jusqu'on va frôler là-bas, on va repartir comme ça. Là-bas, il y aura une route qui montera et on se mettra bien.
Alors j'espère qu'il n'y a pas trop de vent là-haut. J'ai vu qu'il y a un mec qui fait carrément du cerf-volant. Il fait de la voile là-haut, donc c'est que ça doit souffler pas mal. Mais on passera sur le son de la GoPro, j'enlèverai le son du téléphone pour la présentation, ça sera plus simple pour moi. Et parce que je vais pouvoir enlever mon casque comme ça un petit peu. Ouah, si, je pense que ça souffle. Le truc c'est que les arbres ils sont tous morts ici. Ils sont pas morts, mais ils sont tous des feuillus. Donc c'est l'hiver. Donc regardez-moi ça les mecs. Regardez-moi ça, ouais. Bien. Là, il y a du vent, hein. Regardez-moi ça les gars. On n'est pas bien là. On n'est pas bien. Hop là, on tourne. Et là, on peut lever la visière par contre. Et voilà, on se retrouve à la montagne. On n'est pas bien là. Regardez-moi ces paysages. Ah, j'adore rouler debout ici, c'est trop bien. Voilà le mec qui fait de la voile que je voyais d'en bas là. Alors, je sais pas si je pourrais avoir une vraie belle vue. On va voir. Hey, on est en moto, on est des thugs. Hein. Thug life. Hop là. Et voilà. C'est ce qu'on veut. On se remet de... Oh. Dans ce petit cadre, ma foi, fort sympathico, n'est-ce pas? On est pas bien là. On se retrouve dans ce petit cadre pour faire la présentation du bandit avec lequel on s'est vu déjà deux fois, trois fois en comptant cette vidéo. Bandit S, comme vous le voyez, S. Donc c'est-à-dire que j'ai une tête de fourche avec une boule. Alors c'est pas très joli, forcément, pas forcément très joli, mais ça permet d'avoir un. Un bon déflecteur d'air quand on roule à haute vitesse. C'est plutôt intéressant, c'est plutôt pratique. Ou c'est chrome. En fait c'est du plastique. Je sais pas pourquoi. Là, c'est encore un peu chaud. Là c'est du plastique. Donc du coup, c'est pas chromé malheureusement. C'est la moto donc c'est le confort. Donc, on la voit, elle est plutôt agréable. Le petit truc aussi que j'ai rajouté pour mes journées de tournage, c'est ça, voilà, un petit port USB, hop, je sais pas si ça va bien se voir, voilà, ça s'allume, je l'ai branché sur un plus après contact, donc là vous voyez le compteur, vous voyez aussi certainement la caméra, je vais essayer de se mettre un peu plus comme ça, voilà, donc elle totalise à l'heure actuelle, 45 747 km. J'ai fait 43 voiles presque pour venir ici parce que j'ai fait le plein et j'ai mis à zéro. Donc voilà. Comme je vous ai dit en début de vidéo, on n'est pas très loin mais ça va quand même plus très à côté. Ça reste quand même abordable mais c'est pas la porte à côté. Alors sinon, hein, caractéristiques des bandits, beaucoup de chrome, deux petits compteurs chromés là derrière la bulle. De ce temps là c'est plutôt agréable. C'est plutôt joli, ça rend plus. Alors faudrait que j'achète un rénovateur de chrome, parce que autant les compteurs, là ça va se voir, autant les compteurs sont assez propres, étant donné qu'ils sont protégés par la bulle, autant les rétros, bah, en plus ils sont sales. Bon, elle a pris des pets, hein. Elle n'est pas toute jeune non plus, la mamie là, elle n'est pas toute jeune non plus, mais bon, les rétros sont ce qu'ils sont. Moi je les garde d'origine, parce que je préfère.
Mais c'est vrai qu'on pourrait, penser que mettre des nouveaux, ça serait plus sympa. Mais moi, j'ai envie juste de les restaurer pour faire ressortir le chrome. Comme la ligne d'échappement qui n'est pas. Alors, la cartouche, c'est sûr, elle n'est pas d'origine parce qu'un bandit avec une cartouche exil, concrètement, celui qui trouve ça, il m'appelle. Mais la ligne, c'est pareil. Bon, là, c'est pas ça. Mais en fait, quand je l'ai acheté, je me suis dit, putain, c'est fou, la ligne, elle est mate. Non, et c'est juste crado